Je vais vous montrer comment installer et ajouter des nouvelles polices d'écriture sur PowerPoint, le logiciel de présentation de Microsoft. En effet, sur PowerPoint, lorsque vous sélectionnez un texte, vous avez juste ici la possibilité de choisir la police d'écriture. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle police d'écriture, il vous faut déjà aller sur un site qui permet de télécharger des polices d'écriture. Il y en a plusieurs, par exemple dafont.com. Vous choisissez la police de votre choix, on va prendre par exemple celle-ci. Vous cliquez sur télécharger. Ensuite, vous accédez au dossier contenant la police d'écriture que vous venez de télécharger, puis vous double-cliquez sur le fichier zip, vous faites ouvrir, et enfin vous double-cliquez sur le fichier OTF, qui est le fichier de police et qui va permettre d'installer la police sur votre ordinateur. Donc juste ici, vous avez le bouton installer, vous cliquez dessus, et lorsque l'installation est terminée, vous pouvez redémarrer votre logiciel PowerPoint. Et si on sélectionne à nouveau notre texte pour modifier la police, cette fois on peut rentrer le nom de la police installée et valider. Donc voilà, vous avez installé une nouvelle police d'écriture sur votre ordinateur. Celle-ci est disponible sur PowerPoint, mais sera disponible sur tous les autres logiciels, comme Word, Photoshop, etc. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.